qu'en 2 mois de concertation citoyenne, les Français ont pu s'exprimer, ils ont pu donner leur avis et ils l'ont fait via différents moyens. Tout d'abord, sur la plateforme internet mise en place par le gouvernement, granddebat.fr, eh bien, il y a eu 1,5 million de contributions. Cela fait donc un peu plus de 2% de la population qui s'est exprimée. Il y a aussi eu 16 000 cahiers de doléances déposés en mairie, ainsi qu'un peu plus de 10 000 réunions publiques. Tout cela représente plusieurs dizaines de milliers de propositions de Français qu'il va falloir traiter. Ces propositions, elles sont analysées en ce moment. Pour cela, le gouvernement a fait appel à des sociétés externes, des entreprises spécialisées dans le traitement de données. Sophie, est-ce qu'on a une idée de ce qui ressort ? Alors, ces entreprises travaillent avec des algorithmes, des logiciels qui font en quelque sorte ressortir les mots-clés. Alors, parmi les thématiques récurrentes, c'est-à-dire les mots-clés qui ressortent souvent, qui apparaissent souvent, il y a le mot salaire, le mot pouvoir d'achat, le mot écologie, le mot mobilité ou encore, sans surprise, le mot démocratie participative. Sophie, quelle est la suite du calendrier ? Alors, la suite du calendrier, c'est que ces entreprises, quand elles auront fini leur travail, elles vont le remettre au gouvernement. Prochaine étape, le 8 avril prochain, le Premier ministre Édouard Philippe va prendre la parole lors d'un discours. Il va faire la restitution de la synthèse de ses contributions. Dès le lendemain, le 9 avril, il va prendre la parole à la tribune de l'Assemblée nationale. Cela sera suivi d'un débat sans vote, un peu comme aujourd'hui. Et puis, le lendemain, le 10 avril, eh bien, il y aura la même chose au Sénat. Tout cela, évidemment, sera suivi de propositions concrètes, c'est la promesse du gouvernement. Alors on n'a pas encore de calendrier, mais on sait que ces propositions, ces mesures concrètes, elles pourront apparaître, être exprimées par le président de la République entre la mi-avril et le début de l'été. Alors il y aura des mesures concrètes. La porte-parole, la toute nouvelle porte-parole du gouvernement l'a précisé hier. Vous voyez, à l'issue du grand débat, nous pouvons renouveler le projet national en nous appuyant sur des mesures concrètes. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à un changement radical, puisqu'elle précise aussi, ce débat n'est pas l'occasion de renier ce que nous sommes.